Attention à toi, il y a maman qui arrive, tu vas te faire engueuler. Et là, vous êtes cru au salon Marjolaine ou ça se passe comment là? Elle m'a raconté toutes mes vies antérieures et puis en plus de ça, là, maintenant elle fait du bol de Chocapic. Je comprends pas, je suis à oui, j'ai comme l'impression qu'elle vole un tout petit peu plus haut que l'avion. T'es avec nous là, Sandrine? Oui, je suis en train de faire un nettoyage karmique et énergétique, Christine. Quoi? En fait, je chasse les énergies négatives qui sont bien la source des bobos émotionnels et spirituels. Oui, bah tu vas surtout aller nettoyer les énergies des toilettes, il est moins quart. Allez hop. Allez ma belle, bon courage parce que vu l'état des chiottes en porte 3, je vais aller chasser les esprits malfaisants avec le Dreamcatcher. Voilà, Sandrine, très bien. Allez, bon. Raconte n'importe quoi celle-là. Chasse Voldemort, chasse Voldemort. Ah bah moi je suis complètement épuisé, je pense que je vais faire un bon dodo avec ma bouillotte. Oh bah je pense que t'es suffisamment bouillante comme ça ma Karine hein. Comment, bah pourquoi? Oh je sais pas, j'ai comme l'impression que t'as envie de te taper tous les mecs de l'avion, je me trompe? Oh bah non, bah peut-être pas quand même, je sais pas. Alex peut-être, je sais pas. Bah Karine. Quoi? Bah... Ah non, tu t'es foulé le poignet? Mais non, Britney, Madonna, tout ça. Ça va les clichés? Ah non mais non, mais Christine, tu parles en codé, je comprends rien. Bah Alex, il a fait, comment te dire, une sortie de piste. Oh non, le pauvre. Elle comprend pas. Il va tous les mois à San Francisco? Ah, j'aime bien Frisco, mais il fait un peu frisqué là-bas. Hein. Oh, putain, Karine, la licorne, non, je sais pas, analyse, décrypte, non? Mais je sais pas, je comprends pas, écoute. Elle comprend pas, excuse-moi, une seconde. Il aime bien qu'on lui titille la boîte noire, voilà, tu visualises? Oh putain. Ah bah c'est pas un problème. Lourd. Bon, en tout cas, c'est pas pour autant qu'on peut pas regarder le menu. Voilà, moi je vous adore tous, c'est super. Bah tu vas voir, elle va pas te lâcher du vol. Non, mais ça va, elle est pas méchante. Ah, qu'est-ce que... Là, y a le truc là. Je m'assure, elle fait flipper là. Tiens, flipper, viens là, faut qu'on te parle. Attends, je vais essayer de lui parler. Allez, viens Capucine. Oh, bah Capucine, c'est le prénom de ma chatte. Oh, bah elle a encore disparu. Non mais c'est un coup de la chamane, ça, encore. Tiens, Sandrine, viens voir. C'était quoi, ça? Oh, c'est Galak, ma sœur intergalactique. J'ai cru que c'était l'interprète. Elle a son billet? Non, mais elle n'est pas vraiment là. D'accord, ok, bon, je comprends plus rien à ce qui se passe dans cet avion. Faut absolument que j'aille dormir, là. Ah, Christine, je peux dormir avec le pilote? Ah non, non, tu vas surtout dormir dans les air chillers. Voilà, ça va te calmer un petit peu. Tu te mets la tête dedans comme ça, et puis tu vas mettre Capucine aussi dedans. Voilà, ça va lui. Hein? Voilà, allez, aux plumes. Allez, pipi, les dents et au lit. Coucou les petits chats, voilà, bah voici ma petite bouillotte girafe que j'ai depuis mon tout premier vol en 74 et je fous des fessées. J'aimerais bien vous l'offrir, donc je vais faire un jeu parce qu'on est bientôt à 7000 abonnés. Donc le but, je vous écoute, non vous m'écoutez, alors vous partagez ma vidéo, merci, et puis ensuite vous taguez deux personnes dans les commentaires, voilà tout simplement. Ces deux personnes, si elles peuvent être navigants, navigantes, ça serait super chouette, comme ça on se comprend encore plus. J'ai plus d'air quand je parle, je compte sur vous, je vous aime. C'est facile comme jeu, non ?